Et enseigne le bris. Comme il sait qu'il va faire des victimes, il choisissait toujours les matières compliquées, à commencer par la table de multiplication. Il choisit 10 élèves. Et nous, notre prière, c'était qu'on tombe sur la table de 1, communément appelée la table des nuls. Et quand le Seigneur, dans sa magnificence, m'accorde la grâce de la table de 1, j'ai bien sûr envie de chanter un chant à sa gloire. Alléluia, 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 alléluia. Ah. Il dit, Joël, vas-y, tape de 1. Mais c'est moi. J'ai dit, je sais qu'on ne va pas me chicoter. J'ai dit, c'est tellement facile, je résiste dans la chanson. Après avoir fait ma récitation, je fais référence à mes amis. Et puis je retourne m'asseoir à ma place. Ah, parce que c'est un jour de joie. Mais oui, il dit, toi là-bas, table de 2. Ça sait aussi qu'entre 1 et puis 5, on peut se débrouiller. 1, 5, 10, c'est facile. Toi, table de 2. En général, il piochait dans la bande des nuls. Parce qu'il doit faire des victimes. Allez, toi là-bas, table de 2. 2. 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. Il dit, c'est bon. Allez, derrière là-bas, table de 8. Monsieur, moi. Vas-y, table de 8. Ah, monsieur, on est beaucoup ici. Pourquoi c'est... Monsieur, pardon. Vas-y, table de 8. 8. 8. 8 fois 1, 8. 8 fois 2. Le maître, yo, tu fais quoi comme ça? Monsieur, j'ai oublié la table là. C'est la chanson de mes voisins qui est restée dans ma tête à cause de ça. Il dit,